Bonjour à tous, et bien écoutez, suite à la dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me demander, essentiellement par mail d'ailleurs, comment est-ce que moi j'avais fait pour justement dépasser cette difficulté de ne pas trouver son alignement, etc. Donc comme je vous l'ai mentionné, récemment j'ai fait un travail avec mon amie Vanessa Vimon, mais c'est aussi en amont quelque chose que j'avais travaillé avec un coach et puis par tout le travail que je fais également personnellement. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur l'ikigai, comment trouver son ikigai, sa raison d'être. Je vous mettrai le lien par là, certainement dans la vidéo. Et également un gros travail sur les valeurs. Pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout, c'est quelles sont vos valeurs et vos contre-valeurs, bien évidemment. Ça, c'est une première chose. Mais après, il y a tout un travail à faire sur les croyances, sur la mission, qu'est-ce qu'on veut vraiment, le positionnement, etc. Donc, je reviendrai sur l'ensemble de ces points dans des vidéos parce que chacun de ces points peut vraiment être traité à part entière. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a une chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait énormément de choses depuis l'année dernière. J'ai écrit beaucoup de choses, beaucoup d'articles. J'ai fait pas mal de vidéos. Des choses que j'ai pas publiées en fait, que j'ai vraiment gardées sur des carnets, sur mon ordinateur, dans mon Trello, sur toutes les applications de notes possibles et imaginables, je crois. J'en ai un petit peu partout. Mais il y a une chose que j'avais faite, c'était en novembre l'année dernière, c'était une série de vidéos sur les différents types de revenus du web. Pourquoi? Parce que moi, pour avoir suivi plein de formations sur justement les différents types de revenus qu'on peut avoir avec le web, eh bien, j'ai pu faire un condensé et j'ai testé à peu près tout ce qu'il y a comme technique, en tout cas dans la majorité, dans tout ce qui va être artistique et création de contenu, j'ai pas fait, mais voilà. Mais par contre, j'ai fait tout le reste. Et c'est quelque chose que je me suis dit, bah, après tout, pourquoi ne pas le partager? C'est là, c'est fait et ça peut vraiment aider à se décider. Et puis ça peut aussi donner des éléments de réponse pour ceux qui ont une activité et qui sont confrontés justement à cet éparpillement, pas seulement pour eux-mêmes, mais également pour les gens avec lesquels ils travaillent. Donc ça vous donnera des éléments de réponse, que ce soit pour vous, pour répondre peut-être ou à des objections ou à des questions, en tout cas avoir une bien meilleure connaissance de ce qui se fait aujourd'hui. Et j'ai répertorié ces différentes techniques avec les avantages et les inconvénients pour chacun. Je vais vous mettre le lien dans la description, vous pourrez le télécharger si vous le souhaitez et vous pouvez même le consulter en ligne. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de s'inscrire à quoi que ce soit. La page est vraiment en accès libre. C'était volontaire de ma part. Donc, je vous laisse regarder tout ça. J'espère que ça vous aidera au milieu de cet océan de cette multitude d'offres diverses et variées où toutes les promesses sont plus alléchantes les unes que les autres. Tout n'est pas rose, tout fonctionne de toute façon. Après, c'est vraiment en fonction, encore une fois, justement, du caractère de chacun, des envies de chacun, de la personnalité de chacun. Ça aussi, c'est important, c'est trouver l'activité qui vous correspond, le business qui vous correspond et qui vous permettra de le faire de la façon dont vous avez envie. Voilà, je vous laisse avec ça et je reviens vers vous avec plein de vidéos, justement, comme je le disais, pour vous aider à mieux vous retrouver et à mieux développer votre business grâce à plein de petites méthodes et plein de petites techniques qui permettent au quotidien de faire de vous un entrepreneur épanoui. Je vous dis à très très bientôt. Ciao! Two girls for everybody.